La marcha sale el día 23. ¿Cuánta gente? Miles. Group pression Peuple sans frontières a démarré un mouvement de protestation dans plusieurs villes au Mexique pour mettre pression sur le gouvernement pour légaliser et statuer plusieurs milliers d'immigrants haïtiens pour plus fort qui cherchent asile dans le pays. Pendant une conférence pour journalistes mercredi 13 octobre, là, immigrants ça qui est les Wang et qui sortit Chili pour venir au Mexique ensemble avec Madame Ni et puis petite fille. Que no legalizan, eso no más. Los gente que están aquí, sí. Lo que van a llegar, ellos pues, tal vez pueden buscar una manera para que no lleguen. Legalizar. Lord Cabinillo, autoridad mexicana de chercher moyen pour empêcher de arriver là. S'il vous plaît, joignez un moyen pour légaliser nous pour nous capables de travailler. Imaginez un monde qui a cherché travail, il doit suivre toutes les démarches et puis, pour dire, malgré que c'est un monde qui est intelligent ou pas capable de travailler ici là à cause ou pas de documents. Tout ça nous besoin, c'est documents. Point final. Nous pas venir créer problème au Mexique. Et quand ils les devuelven à Haïti, ils sont condamnés à la mort. À que mueran de hambre. Irine Mujica, qui est un immigrant militant et responsable Peuple sans frontières, considérait déporter Haïtiens en Haïti comme une sentence à la mort. Grand goût ou bien violence a tout eu. Il a parti quitter le pays à cause de la situation. Violence dans le pays avec violence économique. Ça va bien longtemps, autorités mexicaines ont déporté plusieurs centaines d'immigrants haïtiens qui ont cherché refuge dans le pays. Pendant ce temps, immigrants qui trouvaient au Mexique à Paris pour participer dans une caravane qui a passé dans plusieurs villes pour être capable de mettre pression sur le gouvernement mexicain pour régulariser les statuts immigrants. Militant Irineo Mujica, qui est responsable de l'organisation Peuple sans frontières, déclarait: la marcha sale le día 23. Quanta gente? Miles. Caravana va le 23 octobre. No sé cuántos. Plusieurs milliers à participer. Moi, si pas connais, mais plusieurs milliers à venir. Marche là à fait, même si c'est à plusieurs centaines. Nous prenons le mais grand mettre là pendant la Paris pour nous souffrir avec eux, pour aider eux, pour te croire. Mercredi 13 octobre, là, plusieurs centaines d'immigrants haïtiens pour plus fort étaient réunis devant un stade de football dans Tapachula pour demander une commission d'assistance pour réfugiés au asile. Nous commençons maintenant, haïtiens qui prennent refuge dans le centre Acuña ont manifesté en dedans centre là après soldats mexicains ont empêché de sortir à manifester pour les sécurité. En plus de haïtiens, il y a des immigrants qui sont dans Guatemala, Venezuela avec Honduras, qui ont cherché asile au Mexique pour travailler et déplacer librement en dedans pays. Demande asile au Mexique capable d'augmenter jusqu'à 70% pour l'année 2021 comparé avec 2019 d'après Expéo. Demande application pour asile au Mexique capable de prendre entre 6 à 7 mois, soit deux fois quantité de temps normal d'y habituer prend. Joubert Philippe, Washington. Nous allons rapidement aux États-Unis. Ça a gagné le président Joe Biden qui aux anges. Aux anges, en ce sens que et pour affaire COVID-19 là, ni taux hospitalisation qui réduit, et quand c'est monde qui gagne virus là, qui réduit tout, donc en fait, les aux anges, malgré que il gagne difficulté là, faire avancer de l'autre difficulté, il gagne avec programme et infrastructure, avec l'autre programme et social. Qui devant congrès à qui en limbo, bon, personne ne connaît si ça va le passer, mais au moins que le président on respire un petit peu à cause du sondage montré que l'effort de faire lutte pour combattre la pandémie COVID-19 là, les chances sont en résultat. Cependant, il y a pas de quantité de monde qui peut prendre vaccin, tout son autre engagement que le président prend pour que le monde s'arrête pour vacciner contre la pandémie COVID-19 là. En plus de le monde s'arrête, alors le président a demandé tout entreprise pour que vous encouragez l'employé pour prendre le vaccin. Tout. Nous connaissons que le président Kounia actuellement il y a une loi même que les OCHA. Donc c'est la loi ça qui demande qui fait un obligatoire pour tout le monde qui employe tout pour employer pour tout le monde prend vaccin, mais c'est surtout l'employé fédéral actuel pour qu'on y a et au moins des grands entreprises pour appliquer, pour supporter les mesures pour que tout le monde prend vaccin. Donc c'est comme ça la situation ça. Et puis ici Washington, lundi qu'il y a une grosse manifestation
et aux manifestations que une organisation haïtienne qui est dans New York à Miami et qui a mis tête avec une coalition bien a fait pour que yo dénoncer ça a considéré déportation illégale que l'administration américaine a fait contre et surtout haïtiens haïtien qui étaient cherché ou qui t'ont cherché à entrer sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Donc rendez-vous à dans Lincoln Plaza, rendez-vous ça c'est pour lundi, lui-même lié et il y a une pile mobilisation qui a fait pour que manifestation pour que haïtiens viennent participer dans manifestation ça, il semble d'avoir organisé yo gagner plusieurs dignitaires qui viennent pour la parole et en même temps tout gagner l'autre organisation qui a sorti dans l'autre côté bon plus ou moins dans l'entourage Washington non donc qui viennent participer dans rombler ça bon me demander organisateur pour ça que c'est lundi ça nous fait parce que tout le monde qui va le travail c'est mon objectif de travail donc je dis c'était pour même conseiller c'était meilleur moment pour faire lui donc je crois que on a venir quand même venir participer dans la manifestation ça et puis dans New York et je dis à un gros débat que renouvellement en fait c'est fin mandat Binu c'est bio intégré Nations Unies en Haïti pour Haïti et bien et mandat a fini à soir à minuit donc mandat a fini mais il y a un débat qui a fait actuellement pour renouvellement mandat et il y a un gros débat qui a fait jeudi à la même devant Conseil de sécurité des Nations Unies hein. Hier conseil a été réuni pour être ouais c'était qu'à passer une résolution pour bah aller plus rapide mais les États-Unis qui sont ces pays dans conseil permanent, membre conseil permanent qui s'est géré dossier Haïti et dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis présentent une résolution, un texte de résolution que le rend officiel, mais la Chine pas d'accord. La Chine campe en quoi et la Chine tout, rappelez, la Chine tout, c'est un autre membre conseil et on membre conseil permanent des Nations Unies donc eux-mêmes ils ont droit de veto donc pas d'accord tout donc Gonto est là et la Chine exprimé bah ils ont dit les critiquer à organisation en les dit que qui a fait un paquet là rap devant son paquet comme en Haïti et mais au pas un résultat des questions qu'a discuté pour ingérence pays dans l'autre pays donc il y a des monde qui dit en fait qui dit tout oui mais faut continuer dit Haïti ça pour le faire avec espoir la faire yo gen moun ki di non pas rapide d'ab di pays ça pour le faire etc. Donc c'est la discussion donc n'a pas suivi dossier ça donc kounia ça qui dit kounia et donné que c'est texte de résolution Nations Unies qui censé pour soumettre devant conseil de sécurité à pour vote donc équation il dit que la Chine gen droit mettre veto sur lui et lui demander le ça l'a demander conseil pour voter pas là pour voter texte résolution par la Chine et la Chine prépare tout un texte résolution tout sous dossier Haïti mais la Chine en faveur pour gagner pour prolongation il fait jusqu'en avril pour faire pour 6 mois alors que États-Unis en faveur pour le ta fini 15 octobre 2022 alors que la Chine même dit c'est à 15 avril texte et la Chine a dit 15 avril 2022 donc discussion là. Donc gagne l'autre conférence qui fait tu dis que tu une situation consacrée présidente des Nations Unies dans Kalibi et que pays qui était censé en face yo tu gagne résolution dans main yo donc pour te sauver la face ça a été fait une prolongation technique qui te permettre que mission te continue exister en attendant des résultats différents qui gagne en entité ou bien pays concerné yo et en plus question qu'a posé qu'on est est-ce que c'est pas ça pas arrivé si au cas que la Chine avec les États-Unis pas arrivé je nous entente plus d'accord un an ou 6 mois donc un an c'est pour les États-Unis 6 mois c'est pour la Chine est-ce que pas arrivé je nous entente sinon je nous bagarre quand même parce que je dis à mandat et mission fini et puis bon on connaît que responsable et qui n'a tête bien sont américaines c'est madame Hélène Lalim et qui dit même tout dernièrement te font présentation te présenté de Haïti elle demande pour été renouvelé et madame mission c'est un bail tout madame Zéa qui c'est un émissaire États-Unis qui se fait sortir en Haïti
Il était même lui-même tout le demandé pour que le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat parce qu'il dit que Haïti a fait face à un gros problème. Donc, pas renouvelé le mandat, veut dire en plus l'autre problème encore qui est capable de créer. Donc, son dossier n'a pas suivi pour vous. Mais d'ici fin juin, très certainement, on a peut-être connu. Est-ce que le mandat est renouvelé pour quantité de temps que le mandat ça est renouvelé? Et nous tombons en Haïti. Bon, le Premier ministre Ariel Henry a monté un massifié là avec une question de mettre sous pied un conseil électoral provisoire. Tout le monde a débuté toujours critiquer le premier conseil électoral provisoire que le président Jovenel Moïse mette sous pied et pas d'accord avec. Voilà que le Premier ministre a envoyé tout invitation par le secteur qui normalement doit représenter dans le conseil là. Et t'as de représenter dans le conseil parce que y a deux barrages qui sont tapis à Kounia, il y a tout une assemblée constituante que le Premier ministre Ariel Henry voulait faire tout. Mais Kounia, c'est conseil électoral à sous pied parce qu'il y a parlé tout de l'assemblée constituante dans tout. Donc il était certainement prêt soit travailler sur la constitution qui fait que se préparer là, projet constitution qui fait préparer là, ou bien refaire encore, ou bien ajuster ça qu'il a, ou bien qu'on est encore nouveau. Et à sa reconstitution, il va travailler sur la constitution. Donc, discussion de santé là. Et donc, secteur, ce qui est sur le puis il faut là-dedans diviser sur oui ou non, il y a pour représentant dans le conseil électoral pour vivre ça. Et raison principale que vous avez, que vous avez vos représentants, c'est qu'il y a qui conditionné pour vos représentants dans le conseil là, c'est à cause de l'ANMH. Il même dit que pour vos représentants de la conseil là, il faut que les conditions de sécurité soient améliorées. Et il y a l'autre qui carré-barré, il dit même, dès que le conseil électoral a parlé, et que l'élection a parlé tout, parce que les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection dans le pays. Le climat et la sécurité n'est pas tellement bon, donc pas qu'à gagner l'élection. Donc, il y a même eu boudé, il dit pas bon. Mais il y a deux secteurs plus ou moins. Et dans le secteur femme, alors on branche dans le secteur féminin, dans le secteur femme, qui voit toi représentant, qui voit toi, on liste trois mondes. C'est ça que le Premier ministre a demandé, mais dans trois mondes, vous voyez, il a choisi une là-dedans. Et puis, il y a un secteur vaudois, lui-même, tout qui voit le monde. Mais il y a une conférence épiscopale, soit son protestant, et enseignant, et représentant universitaire, et association média, et bien, eux-mêmes, campé pour le moment, qui secteur droits humains en tout, qui n'est pas trop favorisé, favori tout pour qu'on y ait là, qui pour qu'on décide si on a voué. Donc, Premier ministre Ariel Henry, dans le show là avec les formations, conseil électoral provisoire, que les voulait mettre sous pied. Les voulait mettre sous pied parce que tout secteur, puis le secteur dit, il n'y a pas de représentant. Interrogation. Gento. Nous parlons de voter non et puis gain par exemple représentant de diaspora un groupe là-dedans qui réunit plusieurs dizaines organisations dans la diaspora et ben au même tout été nommé au plus été voyé représentant dans là-dedans ben il était écrit premier ministre pour dire au même il était nommé, il écrit premier ministre pour dire même, il pas réuni, il pas là-dedans. Alors, le groupe là, il est là-dedans. Mais même, il dit, il pas là-dedans. Il pas ni dans le gouvernement, il pas ni dans le conseil électoral provisoire, tout en tant que conditions qui ont été demandées pour ne pas mettre sur le pays. Il y a un bagage qui a demandé ses droits de vote pour la diaspora. Il dit, étant donné qu'il y a un paquet de bagages là, pour ça que pas tout. Et résoudre le problème de diaspora. Donc là-dedans, il écrit pour dire pas là-dedans lui-même. Donc, nous comprenons ce que je veux dire. Donc, il n'est pas là-dedans lui, mais là, lui-même, il défend les Haïtiens qui sont dans la diaspora et qui vivent à l'étranger. Donc, il a fait un devoir, il a eu un bon contact, il a écrit. Là, je te suis à la correspondance et primature là, sur question ça là. Et puis, il y a l'hôpital Saint-Luc. Et qui fait sur son note qui dit que
il n'y a pas recevoir patients qui souffrent avec COVID-19 encore à cause des problèmes d'oxygène. En fait, je ne sais pas si de l'air écrit, il y a ça à dehors avec Kounia là. Est-ce que le problème ça arrive à résoudre? Parce que j'ai dit qu'il y a un problème d'oxygène pour les patients, surtout parce qu'ils souffrent avec la pandémie de COVID-19 là. Donc, je ne sais pas si je recevoir patients encore. Peut-être que ça arrive à résoudre Kounia et c'est très certainement responsable qui est entendu. Et puis, Haïti a un problème tout avec le vaccin. Vaccin COVAX, ou bien vaccin programme COVAX que vous avez, tout à fait vaccin Haïti jusqu'à présent. Même quand c'est vaccin que vous avez dernièrement, la plus été bail, eh bien, très peu de monde qui accepte de prendre vaccin, hein. Tellement vrai, Haïti, et vaccin ça a même expiré, donc Haïti est obligé de remettre, après mettre le vaccin, parce qu'il n'y a pas de moyens, par exemple, il n'y a pas de vaccin, ou bien, la population n'est pas motivée, ou bien, pas quoi, dans l'affaire vaccin contre la pandémie COVID-19 là. Et si nous parlons de notre nouvelle, nous avons tout et UNICEF qui fait qu'on a près de 19 000 personnes qui traversaient la forêt d'Ariana qui tombait et qui cherchaient à entrer aux États-Unis. Et depuis là, nous connaissons le mouvement migratoire qui a commencé. Donc, ils expliquent ce que c'est pour la situation. Ça. Et avec tout le monde qui a quand même besoin de un encadrement psychologique parce que. Et traumatisme que tout le monde prend dans traverser ça, qui sortit depuis, par exemple, pour moi qui sortit depuis dans l'Amérique du Sud, pour traverser, pour tomber dans l'Amérique, pour traverser forêt d'abord, tomber dans Panama, rentrer dans l'Amérique centrale là, et tomber dans Guatemala, et puis pour arriver au Mexique, et puis l'autre au Mexique pour faire les sous là, pour continuer à arriver sous fond des États-Unis, parce que c'est super. Alors que je dis même que tout le monde qui même arrivé sous frontière sans ne pas avoir un parent avec eux. Donc, en fait, l'organisation a exprimé vraiment inquiétude pour la situation, ça, pour tout le monde, ça, pour la souffrance que tout le monde peut avoir plus devant et que tu as mérité de gagner une attention spéciale pour tout le monde. Eh bien, c'est ça. Yeah. Et puis, le dossier de sécurité, hein? Donc, on a le dossier de sécurité, toujours, tu as fait parler de l'électricité. Je dis, monsieur a opéré, monsieur Gangame a opéré, comme si pas de la police pas existait pour eux-mêmes. C'est eux, police là, c'est eux, fait ça, eux, fait. Descendre, monde, quand les machines, dit tout le monde descendre, ils fouillent, mon yo, les prennent, ils prennent mon yo, ils traversent la rue avec, ils entrent dans côté de la zone, ils mènent mon yo dans la zone. Les machines, mon yo, ils prennent, ils saisissent carrément, ils mettent les machines dans la zone, ils saisissent les machines. Des machines tout prend au ferme, au prend machine vie ou là il y a des machines de tirer sur carrément et donc c'est tout un problème et à faire gaz donc monsieur Améo tout yo entrer dans business à faire saisir camion gaz et yo gain choix le finir camion gaz donc quand mettre compagnie ou bien mettre machine là yo quand mettre camion mais là mettre camion vide ça dit gaz à vendre. Ou bien yo kembe camion gen fois yo chauffeur aller et kounya et situation li pratiquement un petit peu et non à travers pays parce que gen même yon un service transport qui qu'on assure pour Prince Jérémy qui dit lui même pour qu'on est là camper il camper soit faire transport moun par exemple au Kay ou imaginez que ça ka passer dans Martissan impact que gen sur tout zone sud là tant que par exemple au cap ou pas au cap non tant que au Kay les monde qui avion voyager mais c'est monde qui gagne cap et avion parce que même pas connait syncope donc c'est quelque chose c'est transport public pour privé autant soit il pas aussi facile ou que tout département sud tout sud est ça net et bien que monde sud est sur qui sur tout monde qui est capable de contourner mais son longue route pour contourner département de l'ouest ça net pour passer font verrait pour tomber dans tête pour monter tête et puis aller tomber du côté et laisse Jacmel puis entre Jacmel ça qui alors que Jacmel pas au presse peut-être une heure et demie deux heures temps maximum et puis ou gain toute zone ni planète mon ça même pas gain avion qui a dans ni donc tout monde c'est machine pour prendre donc toute zone ça paralysé à cause ça qui a passé dans rentrer sud capitale là et jusqu'à présent police nationale là bon tout monde c'est il a plongé
tirer à boulet rouge sur police là. Je veux dire qu'il n'est pas vraiment arrivé à calmer, monsieur, calmer les zones, pacifier les zones, rendre la route là accessible. Personne ne connaît, mais seulement c'est tout on a regardé. Et pour ça, tout dit, la vine sous monsieur, il tout dit, la vine sous monsieur, c'est ça que le directeur pour ça tout dit. La vine sous monsieur, m'a dit pour l'icône côté, oui, la vine sous monsieur, mais ça va tout on a attendu pour que la circulation reprenne. L'école ouverte, il y a un monde qui va à l'école, qui va expliquer, il va à l'école parce que la question de sécurité à avoir. Nous parlons d'élection tout, il y a des conditions de Paris et tout pour l'élection déroulée. On parle un petit sport pour te gagner match et qualificatif Coupe du monde pour zone Amérique du Sud là. Et match de Oli hier soir, mais Brésil fait un seul boucher avec Uruguay qui a calé 4-1, gagne Chili qui gagne Bosco sur Venezuela qui a calé 3-0. Argentine remporte une victoire tout mince devant Pérou. Donc Jacques a dit une victoire est une victoire, 1-0. Donc son victoire quand même 3 points, c'est 3 points qu'on marque 4 goals, qu'on marque 5 goals, qu'on marque 1. Depuis son victoire, c'est 3 points gagnés. Et puis gagné tout Colombie qui s'est fait match avec Équateur. Et puis la Bolivie qui dansait sous Paraguay 4-0. Puis dans le classement général là, et c'est belle barre pour Brésil. Brésil en tête classement avec 31 points, 6 points devant Argentine qui est même classé en deuxième position avec 25 points. Et puis Argentine même gagné. Et 8 points devant l'équipe Équateur qui casse en 3e position. Donc Équateur a gagné 17 points. Donc nous avons un grand écart qui gagne pour un pile bas pour dépasser pour une équipe qui est net pour arriver talonner l'équipe qui est devant. Mais puis près, elle n'a pas fini. Trois difficiles entre trois dernières équipes, ou bien même quatre. Troisième, quatrième et cinquième équipe là, par exemple, Équateur qui gagne 17 points, gagne Colombie qui gagne 16 points, donc un point de différence en un peu qu'on finit décider net, et puis gagne Uruguay qui gagne 16 points, et puis Chili lui-même gagne 13 points. Et donc on est fait voisin, hein? Venezuela lui-même, licencié dans quelques minutes là lui-même, et dans le groupe Amérique du Sud, ça qui gagne 10 pays là-dedans. Voilà, mes amis. J'espère qu'on a passé un très très bon week-end. Nous connaissons hier, nous babier et parce que nous partons direct sur Facebook, c'est vrai. Et gardons-moi, nous cachons une nouvelle là. Et checkez toujours sur, laissez arriver, checkez sur YouTube. Mais si nous passons, nous cachons l'autre là. Si nous passons tous les deux, donc checkez toujours sur YouTube. Mais hier, c'était problème technique. Il y a des bagues qui passent sous contrôle, donc nous pas gagné, nous qu'à faire pour eux. Mais quand même, il était venu poster quand même un peu tard. Bon, ça, nous aimons les lundis parce que ça nous a interagi avec l'autre monde qui l'a eu. Mais quand même, je dis à nous espérer que le problème technique ça a été résolu. Même nous espérer parce que nous pas techniciens, c'est pas job, pas nous, il y a un monde qui l'a pour ça. Qui peut vérifier ça, parfois mon carton m'a occupé de parler ça, mais l'élève nous ça, l'or ou cou et le dit, nous pas en dire que ça, il est pratiquement trop tard. Mais n'a pas un bon programme pour aujourd'hui encore. Sauter à ton barrière, jeudi on pourrait sauter à terre là. Donc, m'a quitté Jacqueline, moi Jacqueline toujours, à la dernière minute, il faut effort quand même, libre nos bagages. Pour ça, moins de encore bon. Moins d'huile pour ça, il faut les faire fort. Ici, à nos pays, nous avons des cobles, les nègres la font fort. On les prime d'encouragement. Au Bali, pour continuer à faire les enfants. S'il ne fait pas encore, on demande de l'argent. On demande de sortir de Bali. Donc, je ne demande pas de sortir de Bali. Il y a moins d'huile, puis tout, parce qu'il était bon. L'autre jour, il était bon. Donc,